je félicite la SPTT Brest qui allait quand même très loin dans le parcours de France et c'est pas fini. On a évidemment l'espoir qu'ils battent le stade brestois. Nous, concernant le PMU, donc c'est vrai que depuis 2010, on est partenaire du foot. Alors pourquoi le foot? Oui. Bah parce qu'en 2010, ce qui s'est passé, c'est que le marché du jeu s'est ouvert sur Internet. Et nous, qui faisions que des prises de paris sur de l'hippisme, on s'est mis à faire de la prise de paris, mais uniquement sur Internet, sur le foot. Donc aujourd'hui, on est opérateur donc, de paris sportifs depuis 2010. Et on a donc choisi la FFF comme partenaire. Donc on est partenaire de toutes les équipes de France. Et on est partenaire principal donc, de la Coupe de France. Et on a une spécificité dans cette Coupe de France, c'est qu'on... On met en valeur le petit pousset de chaque épreuve, de chaque région. On part du principe que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça nous permet de nous rapprocher donc, via nos PMU qui sont présents sur toute la France. On a quand même 13 000 points de vente. Et ça nous permet de faire revenir un peu les équipes de foot dans les bars et dans les bars PMU spécifiquement. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir cette relation de proximité. Et il y a un lien très fort entre le foot et le cheval, parce qu'on se rend compte que dans notre clientèle, on a 75% de nos clients qui aiment le foot. Au national, c'est 65%. On voit qu'il y a vraiment une spécificité de notre clientèle à être orientée vers le foot. Et pour finir avec les partenaires sportifs, on est aussi partenaire de certains clubs. Et depuis cette année, on est partenaire du stade Rennais. Ah, si tout se passe bien, on peut imaginer d'autres partenariats qui peuvent se dessiner à l'avenir, on ne sait pas, à Brest ou à Lorient. En tout cas, bravo encore à la SPTT Brest et puis bah, passez une bonne soirée.